Hippolyte Zaïdi là, Oasis, cité sa cycle. Papi Kusangai, la Bordeaux. JPS Production. Misebi ko konanda komo tsuka elamba monester boloa soke yebaka kokona motema yamoto oyoboko vanda na ye kino liwa nesi nena komite na situation ya boye to vanda kavoli mona tango ya pasi yola kakinga na zela osili sakelasi Bongo to balana, na yongo nestor buluwa Na tekelika, na mipesa kipe mogimba Na pasyantaki, bambula na bambula Yo silisi kelas, yo zimo sala Olo vyo kwa balana li susu tenesi de London Po nazali, mwasi ya province na binote Na leli bambula, nanga yo lekisi Beyo busani La promesse est une bête, soki na salaki, moi si avina yote, et bonga to yebisamba, na benda zotu. Brigitte Gindou et Mazalou. La kisanga verseni va comme un bible, mobali foa bala, moi sa province na bango, mon nene na moto moina foutu bazako. Baka, kopona motema Ya moto oyo boko vanda na ye Kino liwa nesi Nena komite Na situation ya boye To vanda kabolingo na tango ya pasi Yola kakinga Na zela osili sakelasi Bongo to balana Na yongo misie Na chakilikia Na mipesa kipe mobima Na pasataki Bambula na bambunga Yo silisi kelas Yo zimo sala Olo vyo kwa balanga Lisusu tega boloa Pona zali Merci mesdames et messieurs, merci. C'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux devant vos écrans pour suivre cette émission Caribou Variété, mesdames et messieurs, 90 ans de la Bralima cette année, 1923-2013, 90 ans déjà, et bien la fête
va être fêtée avec la bière phare qui est la Primousse. Les festivités commencent le 22 février au parking du marché de la Liberté avec la star de la Bralima, JBM Piana. Ça se passera donc le 22 février, juste pour commencer les festivités marquant le 90 ans d'existence de la Bralima. 30 ans de carrière de Koffi Olomide, Mopao Mokondi, ça se fête cette année également. Les festivités commencent à Lomé, au Togo, mais ici à Kinshasa, Koffi Olomide offre l'opportunité à Cindy Lecoeur de produire son propre album. Il nous en parle au cours d'une interview qu'il a accordée à notre confrère Fumbaba, on va vous le proposer tout à l'heure. 30 ans de carrière également de Paul Balenda, artiste, musicien chrétien catholique. Le 22 février, c'est-à-dire ce vendredi, 22 février, il y aura une grande messe qui sera célébrée à la paroisse Sainte-Anne. Nous sommes en plein centre-ville, suivie d'une production qui sera accompagnée de la vente de toutes les œuvres de la carrière de Paul Nzalio Balenza. 30 ans de carrière en cette année. Le poète Simaro fête cette année ses 75 ans d'existence. Une belle fête qui s'annonce, qui va se fêter avec le ministère de la Culture qui s'est impliqué, le Grand Hôtel Kinshasa qui va essayer au cours d'une grande production de célébrer les 75 ans d'âge de Simaro Lutumba qui aujourd'hui confirme son rendez-vous à la salle de fête La Grâce sur Kinkole, Arrêt et Faubank à partir de 16h comme d'habitude. Wurasson est à Kinshasa, vous le savez, hier il s'est produit au complexe Moulantéba qui est devenu son fief depuis un certain temps. Ça s'est très bien passé et aujourd'hui le phénomène Wurasson récidive. Il s'est produit spécialement pour les enfants, toujours au complexe Moulantéba. Évidemment, tout au long de l'émission, nous aurons à parler également de satellites du groupe avec les émissaires que Wurasson va nous envoyer tout à l'heure. Félix Oazekwa a fêté la Saint-Valentin en dehors du pays. C'était à Bangui, le 14 février. La première production a eu lieu, mais la deuxième production d'hier, samedi 16 février, n'a pas pu se tenir du fait d'une forte pluie qui s'est abattue sur Bangui et ça a empêché le matériel, ça a mouillé le matériel par la même occasion. Donc, il n'y a pas eu de production hier avec Félix à Bangui comme c'était prévu. Par contre, Fali Poupa, du Cap La Merveille, et bien lui, il était au Grand Hôtel Kinshasa, spécial Saint-Valentin, et il y a eu la participation d'une star qui a fait les déplacements de Guadeloupe, il s'agit de Angie, elle était également de la partie au cours de cette belle fête, de la Saint-Valentin, très très spéciale, avec du Cap La Merveille, Fali Poupa, qui est en studio, et très bientôt, l'album Power, initialement annoncé pour 14 février pour sa sortie mondiale. La date a été reportée. Fali Poupa s'en est expliqué lors du point de presse où il annonçait son spectacle du vendredi, du samedi 16 février spécial Saint-Valentin. Zeiko Langalanga s'est produit le 14 février ici pour le compte de la Saint-Valentin. Ça a été une réussite totale à l'extrême ville, chez Lando Batibuka. Mais hier, ils sont à Lubumbashi ou à Ntashi sur de Aimé Catalissi au Gikiangala Albert Nabila. Ils se sont produits là-bas, mais en principe, il était prévu que le groupe se produise aujourd'hui à l'extrême campagne, comme c'est le cas chaque dimanche. Malheureusement, Zaiko a raté l'avion, Jossa Nyokalongo a loupé l'avion, donc pas de rendez-vous ce dimanche à Kinshasa avec Zaiko Langalanga. Pas de production également avec JBM Piana, Papa Chéri, un Papa Chéri en super forme le 14 février dans un Romeo Golf plein à craquer pour célébrer la Saint-Valentin. JBM Piana n'a pas de production ce dimanche, mais nous retenons que le 22 février, il va procéder à l'ouverture des festivités marquant le 90 ans de la Bralima. 30 ans de carrière de Koffi Olomide, 30 ans de carrière de Paul Balenza, 30 ans déjà depuis qu'il disparaissait le père de la musique congolaise moderne, Kabasele Tchamala, que nous vous proposons en image, en hommage pour ce grand artiste de renommée internationale qui a fait la fierté de l'Afrique à travers toutes ses œuvres. Kale Jeff en image. Comme il en faut, il y a
te fais soin de ti. Voilà, il que l'on trouve mon ami. N'a qu'un bélion à taille mon les gars qui t'ont payé au chalier. Ans déjà depuis sa disparition, Caribou Arrêté lui rend hommage. Dans ce même ordre d'idées, nous vous signalons que enfin, Wendo Colossoy, le patriarche Wendo Colossoy, pionnier de la musique moderne, va avoir une sépulture digne de son nom, cela grâce à un mécène. Il s'appelle Kyle Inga, surnommé le Copperfield d'Afrique. Eh bien, cet homme d'affaires a tout simplement décidé d'offrir une sépulture digne de ce nom à Wendo Colossoy, ce pionnier de la musique congolaise, décédé il y a quelques années. Et cela s'est passé au cimetière de la Gombe, où repose pour l'éternité Wendo Colossoy. Enfin, le patriarche Wendo Colossoy, pionnier de la musique congolaise moderne, a une sépulture digne de son nom. Ce, grâce à un mécène, un amoureux de l'art d'Orphée, Kyle Inga, plus connu sous le nom de Copperfield d'Afrique, qui a placé une partie de ses revenus d'homme d'affaires dans la construction de cette œuvre monumentale qui a été présentée au mélomane congolais hier samedi 16 février au cimetière de la Gombe. C'était en présence de Madame la conseillère chargée de la coopération de son Excellence, Monsieur le ministre de la Culture et des Arts, qui a représenté le ministre de la Culture en mission, du ministre provincial de la Culture et des Arts, qui a représenté le gouverneur de la vice-province de Kinshasa, André Kimbutayango, en présence également des représentants de la Sokoda, entre autres Jacques Monoga, l'ingénieur Blaise Boula, de la presse musicale et de la famille du défunt. Après le cimetière de la Gombe, tout le monde s'est dirigé à Palm Beach chez Thierry Kabamba pour fêter l'événement, la pose de sépulture digne de ce nom à Wendo Colossoy. Un mot à l'artiste qui n'est plus avec nous. Merci pour toute cette délégation.
et le droit de tous les artistes congolais. Merci à Kaïd Inga, les Copperfield. Merci également à la présence de tous les artistes présents lors de cet événement qui, je le rappelle, a eu lieu samedi au cimetière de la Gombe où repose pour l'éternité Wendo Cross. Alors, je vais recevoir Choms Productions. Oui. Bonjour Choms. Merci beaucoup, excellente présentatrice. Oui, on nous signale qu'il y a des manifestations que tu organises pour ce lundi 18 février en rapport avec les pasteurs, c'est bien ça? Oui, la grande cérémonie aura bien le lundi 18 à l'hôtel Invest à partir de 15h pour célébrer la paix, parce que nous sommes en train toujours de célébrer la paix. Et je dois primer quelques pasteurs qui ont participé au championnat pastoral sur le thème l'Église, facteur du développement d'un monde nouveau. J'invite tous les lauréats d'être à tenue de ville ou à tenue pastorale pour recevoir leur prix. Et je remercie le ministère de la Culture en ma qualité de producteur culturel national. Je dois me rendre en Europe ou à d'autres continents pour aller défendre les couleurs et les drapeaux de notre pays dans un forum devant tous les producteurs du monde. Et bientôt, je serai en Brazzaville. Je lance un appel ancien, mon partenaire, qui est aujourd'hui ambassadeur à Brazzaville, M. Christophe Muzungu. M. Chans Production arrive à Brazzaville pour organiser une soirée pour la paix. Mamie, je vous remercie. Les 18 à l'hôtel Invest, sans oublier tous les cadres. Merci beaucoup, Chance Production. Et m'avoir soutenu dans un contrat de partenariat, je vous remercie. Merci beaucoup, Chance Production. Le frère Patrice Ngoy Moussoko, Luambo dans les Seigneurs, au moment où je vous parle, il est dans le Bandundu, plus précisément à Idiofa, où il s'est produit du 15. Il s'est produit du 15 au 17 février. C'était au stade Mayumba, où le peuple de Dieu a été très, très bien édifié. Je rappelle que Patrice Ngoy Moussoko est sur le marché du disque avec son dernier album Pasteur Patron, qui est le 10e de sa carrière. Il revient à Kinshasa la semaine prochaine. On remercie à Henriette Kajinga, Henriette Wetu, qui est avec le frère Patrice Ngoy Moussoko, qui nous a donné l'occasion de vous rapporter toutes ces informations en rapport avec le séjour de frère Patrice Ngoy Moussoko à Idiofa dans le Bandundu. Le Limba Wakuntila est à Kinshasa. L'empereur et les Bayouda du Congo vont se produire cet après-midi d'abord à Kinkole et puis le soir chez Biklokos. Ben Wetu. Mingi te ko le ba fini mais ça na 14 rawa en période de limboko chila déjà banda le bi samedi ba qui était déjà ville à Kinshasa et ba saka na ville à Kinshasa mais précisément na Kinkole pour na causer la ba meloma na ba fanatique ba royal lelo ba ngo ba boya ki ba kenezera mona ba na ba na ba meloma na bango ba ndema ki ba kenola na guest house epiday où ils en avenir lianga 58 60 na Kinkole en face ya commune en Célé, précisément à Kinkole, avenue Lianga, 58-60. En période, il y a des gens qui ont été lobbyés, qui ont été en train de sourire, qui ont déjà été en Kinkole, pour qu'il y ait un public qui a été valeur. Donc, musique est à 14h. À 14h, déjà, la musique est bandit. 18h, après, ce soir même, il y a 3000 ans, ils ont été ex-Bilokos. Donc, croisement, il y a à ce ça enseignement d'être aux na poko à partir de 20h déjà musique bandi mais pour aller là bah au bazar près déjà ba kenna ki ko le po mi 14h déjà en période limbo chele le pays du Congo live de Jésus banda to bo sanité ko pesa ba
ba meilleur soutenance na biso ba sala ke le limbo ko chele ba yede bazala le président Busta na Lubumbashi CAC waza représentant légal Olivier Ticho César Kayembe to bo sanité Miss Kalebaron o yazo sembana yeso arwashi na Silva Kayombo o pensa za pensa meilleur soutenance et pour ne pas oublier to bo sanité Veya Mbata Paul Matondo na Bijou Matondo Godefroy Investissement Cosmétique. Merci beaucoup, Ben Wetu, merci vraiment. Olivier Chimanga Chimangaloji, qui se réclame être le fils spirituel de Lutumba Simaro, eh bien, il sera à Brazzaville dans pas très longtemps. C'est plus pour assister au projet humanitaire Brazza, j'y crois, une année après l'événement malheureux qui est survenu en Pilet. Il est organisé une très très grande soirée, deux grandes soirées à Pointe-Noire et puis à Brazzaville. Eh bien, Olivier Chimanga, Chimangaloji sera de la partie et juste après, il va traverser le pôle pour ici Kinshasa pour différentes rencontres évidemment. Et par la même occasion, son album Espoir, comme il nous le fait savoir, si tout va bien, sera sur le marché du disque dans pas très longtemps. Je suis très heureux de recevoir un artiste musicien qui nous vient du Congo profond, je peux dire. Il vient de Beni, plus précisément. Tata Charles. Tata Charles Obama Muzungu. Uko dinoyako. Alors, si vous avez un groupe, nous avons un orchestre, donc nous avons un musicien au Congo, nous avons précisément un orchestre qui est 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 un Namboka qui n'a pas intérêt de donc n'a pas province payé par monsieur Baza. Baza a bien un système là pour soutenir les jeunes talentueux parce que ceux qui ont tenu tina bas porte au kuna au moins un petit monga pour basta lui même solo les nakoué aye n'angona moka mobimba pour bas $1 million bas ministre bas soutenir mais na Congo système là bas salarié na Congo que tolanda gaga ceux qui combo na œuvre bon mais la Congo paye que boto solanda œuvre peine à ba combo parce que besoin de lundi peine à ba œuvre tout coup t'agino ba monsieur baza et belé na ba province. Alors œuvre na yo combo langoni yambi ya na sali yambi est déjà disponible là bas support nyo so bien donc on a 6 ans déjà presque mais na minute que tout le monde distributeur ok à compenser parce que ceux qui au moni yango bon même yo na embeli Congo na embeli journaliste en danger na embeli dadi sala JPC na embeli donc bon ma grand embeli na kati question que nous sommes à Congo tous dans le système là qui a soutenu les jeunes talentueux tous à embeli tous à ah voilà Kinshasa vous a tu as un siège bien raison à bien Nicolas bon nazan ah mon onze là bas programme à Cal Mango top 20 café plaisir na dadi salé nazan le kenwa Nicolas Mke ah merci beaucoup, cher ami Tata Charles Obama, artiste musicien qui nous vient de l'Est, de Beni, dans la province du Nord Kivu. La deuxième édition de la nuit de la francophonie va avoir lieu ici à Kinshasa. Ce sera le 20 mars. Pourquoi le 20 mars? Parce que c'est la journée internationale de la francophonie. À l'occasion, beaucoup de groupes vont y participer. 15 groupes au total, modernes, chrétiens et folkloriques. On va en parler évidemment avec Yves Abdallah dans nos prochaines émissions. Mais il est temps de recevoir un autre artiste, Papi Kayembe. Oui. Papi Kayembe du groupe Monama. Alors, on nous fait savoir que ça, le genre de musique, moi, c'est ça, moi, Kokesanao et Tozaranango, c'est ça. Effectivement, ils ont bon pour se trouver dans un nouveau son du Congo. Le nouveau son du Congo, ils ont basé sur un style Moyasika, autonomé Ordo Folk. Étant donné que Tozan a 450 ethnies sur Nambo Cannabis au Congo, donc ils ont une richesse culturelle autour de l'exploité sur le Congo. Il y a un monde qui est en train de se faire une recherche autonome style Ordo Folk. Donc, le peuple congolais va de suite va toujours éveillé vis-à-vis que le style est que Zoya, les nouveaux sons du Congo, Zoya, ou Barosepela, Barobina, Barosepela. Et en prêtant, en attendant votre style, Bengango Ordo Ordo Folk. Ordo Folk, vous vous produisez où? Tout ça, siège de M. Zan à Lemba. Très bien. À Lemba Terminus, tu répéteras chaque mardi, jeudi et samedi. La référence dans l'hôtel à Mourifère. Zawana, chaque mardi, et puis à 12h, devant la répétition de la mission. Papi Kayembe, merci oui. Beaucoup. Merci, sœur. Je vais vous faire dédicace à la mission rapidement. Na base Dikou, na Bobo Luka, président Marco Nzingu, président Blanche, tout est glace, et puis Seigneur Jupiter Bokonzi,
Tarayou, merci beaucoup. Merci beaucoup. On en parle de plus en plus ces derniers temps. Koffi Olomide est en studio. Il prépare un single de 6 titres entièrement de Cindy Lecoeur. Koffi Olomide s'est ouvert à notre confrère Fumbaba où il explique pourquoi il a fait cela. En image, mon pauvre Mokonsi. On parle de plus en plus de notre album, je dirais single, que vous avez voulu dédié, donné entièrement à Cindy Lecoeur. Qu'en est-il au juste ? Oui, oui, c'est vrai. On est au studio, on est en train de travailler dans le calme, dans la sérénité, avec tout l'amour de la musique qui nous anime. Le single de Cindy Lecoeur, 6 titres, ça va être une espèce de document de chevet pour tous les gens qui veulent faire des albums. J'ai laissé Cindy s'exprimer. Tout le quartier est là. Moi-même aussi, j'interviens. Mais c'est Cindy, notre star. C'est Cindy qui fait son cinéma. Qui est mise en vedette. N'est pas mise, qui est la vedette. Qui est la vedette. C'est son album, c'est elle, la maîtresse des lieux. Ça va être un moment incontournable, un moment beau. Les gens vont se régaler. Je demande à tout le monde de se préparer à cet instant. Ça va être son premier opus, juste un single. La sortie, c'est pourtant ? J'espère avant juin. Avant juin. On est en train de faire bien les choses. La pochette est déjà en cours au niveau de Paris. Les affiches vont arriver bientôt. Là, j'ai commencé les mixages. Le problème que j'ai, c'est le même que j'ai avec tous les albums. J'ai toujours plus de chansons que celles qui vont sortir sur l'opus. C'est-à-dire là, on est déjà à 9 chansons, mais il y a juste 6 qui vont sortir. Donc on a l'embarras du choix. Alors, dites-nous un peu, les recettes, les revenus de cet album, parce que vous dites que c'est l'album de Cindy Lecoeur. Oui. Vous lui céderez tout ça? Oui, oui. Oui, oui, je lui céderai tout ça. Même si c'est moi l'auteur, l'arrangeur, le réalisateur, oui, je vous vois, le concepteur, celui qui dirige. Oui, oui. Alors, le titre de l'album, rien que ça, c'est ça le titre. Mais en fait, on va écrire le titre sur l'affiche et sur le CD. Les gens vont le découvrir le jour de la sortie. Vous savez, on parle aujourd'hui de Cindy comme ça. Beaucoup de gens pensent que je l'ai connue comme on la voit aujourd'hui. Beaucoup ont oublié le travail qui a été fait. Ça fait 6 ans qu'elle est chez moi, dans le quartier Lacan. Ça fait 6 mois. 6 ans que je l'encadre. Ce que j'ai toujours dit, moi, je ne sais pas former les gens. Moi, je préfère côtoyer les gens qui ont un potentiel et canaliser leur talent, les encadrer. C'est ce que j'ai fait avec elle. Aujourd'hui, il y a un monde entre ce qu'elle a été, là où elle était avant de venir vers moi, dans le quartier latin, et les filles qui ont remplacé Cindy, dans les groupes où Cindy était avant, oui, se rendent compte de ce qu'elle était, et elles voient maintenant la différence qu'il y a. Je sais pas si métamorphose. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des filles, des chanteuses qui ont beaucoup de talent, qui sont bourrées de talent, oui, qui travaillent là où Cindy travaillait avant, et nous ne les connaissons pas. Vous et moi ne les connaissons pas, on n'en parle pas parce que les gens qui les emploient, qui les utilisent, ne font rien pour ça. Il n'y en a que pour eux, pour ces leaders-là, chrétiens ou pas chrétiens. Et on ne connaît pas ces filles-là. C'est comme ça que tous les matins, tous les jours, 10 fois par jour, les gens me demandent, on veut Cindy en interview, gna gna gna. Moi, il dit, calmez-vous, trop de télé tue la télé. Donc, intéressez-vous aussi à ces filles-là qui ont remplacé Cindy, là où Cindy était avant, puisque pourquoi on n'en parle pas, ouais. Il va falloir croire à un moment donné que bon, il y a des gens qui ont la bonne volonté, qui veulent donner sur le plan artistique, sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, aux autres, les gens qui veulent promouvoir les autres et les gens qui ne veulent rien faire pour les autres. On va commencer par les recenser. Je le dis parce que moi j'en souffre. Mm-hmm. Je souffre du fait qu'aujourd'hui on commence à oublier ce qui a été fait pour que Cindy devienne ce qu'elle est. Hein, donc depuis 6 ans. On sent que c'est un cri des cœurs. C'est comme s'il y a des gens qui font
des jets d'eau ou bien des appels des pierres, Cindy Lecoeur? Je ne sais pas. Pour casser votre œuvre. Non, non, je ne sais pas. Mais vous savez, quand les gens disent « Ah, bah, Chinois, Batonga Boulevard », moi, je m'insurge un peu contre ça parce qu'on oublie l'inspirateur. C'est lui qui a fait que le boulevard soit. C'est lui qui a voulu que le boulevard soit. C'est ça aussi le problème. Donc, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, souvent chez nous, comme on dit, c'est ça le problème. Donc, il faut que les gens sachent bien que moi, je n'ai pas connu Cindy Lecoeur comme elle est aujourd'hui. Eux non plus, d'ailleurs. Donc, beaucoup de gens, peu se rappellent ce qu'elle était avant. Et d'ailleurs, dans l'orchestre, dans les orchestres où elle évoluait, elle a laissé des musiciens, des chanteuses, que le grand public, c'est pas pour insulter, hein, ce que je dis, ne connaît toujours pas, parce que rien n'est fait. Qui sombre dans l'anonymat. Je vous le laisse dire, oui. Parce que peut-être qu'il n'y a pas la main de Kofi Olomide. Il faut quand même de temps en temps qu'on sache reconnaître le travail, la bonne volonté des gens. Moi, je le revendique légitimement et souverainement. Voilà. En fait, vous avez façonné, vous avez transformé Cindy Lecoeur. Les gens voient ce qu'ils voient, et puis chacun tire sa conclusion. D'ailleurs, quelque chose est révélatrice. On l'appelait Kadi. Kadi, oui. Et puis Cindy. Cindy. C'est Dieu qui fait ça, quoi. C'est Dieu qui fait que les choses soient comme ça, comme s'il y avait une espèce de deux étapes. Vous savez, hein, Moïse a avec le bâton, Maïka Bouanaki, côté on a côté Batibaleki. Donc c'est un peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Moi, je veux que cette fille aille loin. Je l'ai dit un jour, je voulais qu'elle soit le Kofi féminin. C'est livré sur le prochain album de Cindy Lecoeur, une production, un album qu'il a demandé, qu'il a offert à Cindy, qui va encore une fois faire ses preuves et nous en croire, répondre aux attentes du public toujours très très difficile de Kinshasa, mais aussi de l'RDC pour très bientôt. Mais je rappelle que 30 ans de carrière de Kofi Olomide, c'est pour cette année. Les festivités commencent à Lomé, au Togo, et juste après à Kinshasa, et ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est l'année des 30 ans de carrière de Mopao Mokondi. Babi Ndombe, Baby Black, il est très bientôt sur le marché avec son maxi single Le Noir. Il est en voyage, il est en déplacement, mais très bientôt il rentre à Kinshasa avec dans ses bagages son album Le Noir qui est déjà fini. Mais ici à Kinshasa, les répétitions avec son groupe se tiennent toujours à Bandal pour ceux qui connaissent l'adresse, c'est-à-dire sur Balari. Mais Babi Ndombe revient très bientôt et on va le découvrir avec cette œuvre qui est produite par la maison Sebi Productions de Lando Batibuka. J'ai dit bonjour à l'émissaire, l'envoyé du groupe de Mabele Lissi. Bonjour. Ouais, bonjour, mamie. Sango Boni. Sango. Et Kene Malam. En tout cas, le groupe est bien. Beau donc, tenir recours. Vraiment, l'encadrement est à Kouloutou, Bodi Nomale, et Popol Yanzefole. Donc, le groupe est bien. Oh, bah, un programme, c'est ce qu'on dit. Un programme. Il y a ce que vous avez souhaité, tout ça, les lobos et lobby. C'est vraiment chaque dimanche tout bête à gala et pas engambé body normal et tika la bonne très bien donc sangwezaka que non les lots déjà dimanche oyoyo tozo benga bande kono sobaya ndé to mesana akuta na lingola na nyango et pas kuluto engambé body normal donc ozo tala ozo iblia itokia moi liboke pembeni donc vendredi toza na Éthiopie na Etchéri donc likolo bena tozo ngoma côté kuna poba na kasa vous peut basenga ba mino bon Bogoki mabiso boete donc tozongeli bango na Etchéri pa mazozo na Éthiopie on a chaque vendredi toza wana et puis les 23 toza na village ya football africain et sa présentation ya Itokia potozela ki tosala 40 jours ya bokulaka bomongo liete le vient koba et puis à son âme donc tosala 40 jours le gars il est 8 et zaki na Saint-Joseph et puis tobeta ki na Etchéri donc toza déjà libéré donc tosi si makambo zaki ya vie donc tozo ki ndavant avant c'est lundi déjà dimanche pas bodi non les lopes là donc chaque dimanche tozo pas vie bodi normal le mobile ya matabu et puis lobby déjà manager na biso Sami Lokuli ya Outaye Brazzaville donc naza ko annoncer bande ko Brazzaville pour bon ba yoka sola Itokia basengi pe ba bongisi basani ke non to servir ben mwandambu le roi toza les deux capitales les plus rapprochées donc toza na bango déjà Bartel Yorobo azoko malobi na ville
Kinshasa pour na aussi sa makamunyo sona ingambe body normale donc ça m'opena avec nango yangona ya mami il est là donc na kopesa ka bambote na maximum de respect na Roger Ngandou l'international Blanchard Moussaka donc na saluer bango ndenge za la ka rapport on za ba tra sa na ba chemin mais par exemple il y a bien quoi na pesi mbote na ya popoli yanza ifole na bo santé ya Lucien Kofo pasteur Titi Mondongoli église le testament na Orléans Gauthier Kailu les brésiliens Lydie Mouvouma Zambota. Merci beaucoup. Une nuit de couple distingué, c'était avec musique, agrémentée par Papa Oemba. On va revivre son image dans pas très longtemps. Un temps pour moi de recevoir Lambio. Bonjour, Lambio. Bonjour, Lambio. Sangouboni Lambio. La Saint-Valentin. Le coup là, mon coup, les obis m'a passé producteur avec maison de quoi si bien. 10 mars. 10 mars. 10 mars, c'est comment? Et comment, mamie? La maison de quoi là, distributeur local à Sibic Production, Lando Batibouka, tout le monde qui a été connoté, Maïel, le mot, tout le monde. Tout le monde a dit que nous avons 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 dit Merci Lambio, merci vraiment. Merci beaucoup. Alain Pela est à Kinshasa. Oui, le grand Mocho est à Kinshasa. Il nous annonce que dans pas très longtemps, il va être prêt avec son album. Mais il doit se rendre en Angola parce que Bosso Kito, Azos, il a eu aussi sa masse. Il album Wana et Bima. Mais entre-temps, l'album Soupetozos, il est Bima et Bime. Ou Meli, mode d'emploi. Mode d'emploi, il y a. Bogus Bompema. Bonjour Bogus. Bonjour ya mami. Tout le monde a une petite bande à boulot. Donc merci à tout le monde pour ce parole. Je remercie grand Dieu à mettre à temps et à circonstances. Toujours le bas qui monde est en crise, mais tout le monde est en crise. Donc, il y a des gens qui ont été en crise. Donc, il y a des gens qui ont été en crise. Donc, il y a des gens qui ont été en crise. Donc, il y a des gens qui ont été en crise. Donc, il y a des gens qui ont été en crise. Donc, il y a des gens par-ci par-là. Donc, le leader est en Nairobi. Immortel Paulin Wanga, ba leader à Schengen, ba trésor Chimbalanga, donc ba soyez le bon retour au pays na Kikimba ya leader, donc na vie na Mathieu Madiam Tonu à diamant, ba avec Cardozo Mwamba, donc ba ya Pierre Binda, ba patron des patrons présent Jean-Pierre Mbalaka Sanda, ba ingénieur qui quitte Jal Santerre, monte maman Chantal. Je crois que tu as la dirigeance, tu as battu. Tu as la maison, tu as la mannequin, tu as dansé, tu as tournage, tu as clip. Numéro 081-517-84-34. Donc, tu as la à tourner clip. Serre, tu bien quoi. Serre, tu as la façade, tu as mystique quoi. Pour que tu aies la façade, tu as la rogène, tu as la cocoli. Donc. Baya Blanchard Moussaka, donc bon, on a un coco, il faut que la serre pendant donc y a qui toque et à la bien. Et on a si ce message n'a pas si bambo t'es trop, n'avait n'a délit ma vanga, n'a Luanda, n'a pas si
immortel Paulin Wangwazo Konza Nairobi Mobimba na pesi général de Fao Matumo na pire via petit na na musika na Nairobi na pesi leader à Schengen Trésor Chimbalanga na pesi venangai Jean-Pierre Mbala Kasanda Yaba do Martins Mathieu Madiam Tonneau à Diamant. Merci beaucoup. Ce retour en image. Sabatino Wembo José Kinda. Mache Mila Moleye, Aïssa Tiam, Nicole Vango. Oh maman Marceline Lukau de Liverpool. Samito Mokouba, Tessia Ilondoe, Manar Momoti Kuna la Verviers, Gatoni Coco, Chantal Dibala, Emmanuel Tanzia, Anto Malili Mama. Je suis mon maître, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de Serge. Mon suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus troisième personne de mon fiti. Négligence la tête de mes gars. Non, tu es à cause de mon gars. Compliqué. Na we oh 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 oh. Sipi Mani. Patrick Ilikou. Papa Kang Vroom. Voilà, bien sûr, sur le plateau. Simolo, bonjour. Bonjour, Serge, mamie. Avec Serge, bonjour, Serge. Bonjour, mamie. Entendez-moi, Kitoko, Simolo, ça vous va. Oui, ça va. Ben, Naye, Kaka, justement, pour nous confirmer, sorti à concept, on a vu sur la Sika, auto Sagin à Paris, auto Benga, Royaume de Pompa. Pompa. Parce que la musique est comme il passe. Hein? Somme. J'ai remis passe, et dans tout le monde, il y a moyen de vivre la musique. Bonjour, voilà pourquoi tout ça, le concept, Wana, Luciana de Mingongo, Alexis Azulino. Collégien, Nzola, Tunisie, Algérie. Tu traites que non, que tu n'as pas tout à l'heure après. Donc ce qui fait que disque en abus autour ça, la Komodango Badaboum, la sortie est prévue pour le 15 mars. La concept, on a ça tombe un samedi et ils ont distribué par. Moutoua Kouar Nabiso Azad du Congo Brazzaville, comme on a Syriac Basoka. Ok. Ou Pazouya, dans quelques jours, pour la Tam Tam d'or à Brazzaville. Je pense que, dans ma lettre, Naye, à Ozangatoum, déjà, ils chantent déjà, il y a 10 qui en haut. Donc, à Paris, sorti ça pour le 15 mars. Batbaou, on a Biso depuis Poto. Et je pense que, dans les fois à Kinyon, ils sont là une semaine après déjà. Mais toujours, Kaka au courant, il y a mois de mars. Il y aura Toyena Serge à Poto Mekato, tout match sa fréquence, il y a communication. Il y a Royaume Zipompa Pompa. Serge, sans bonne. Ah, sans bonne. Sans bonne. Madame. Seconde. Ouais, bien. Moi, Kalé, la Masolon. Nazananga, Kane Simola Autoloba, donc concept à Sika et Paris, Royaume Zipompa Pompa, donc album Nabsuzobima le 15 mars, et on a déjà la bac, et on te dit que non, tout quitte, tout ça la promotion même à Kassi. Le 15 mars, écoute à Bino. Tout ça. Tout ça, vraiment, donc, zipompa, pompa, vraiment, donc, il m'a tout pompé, pompé, quoi. Ah, d'accord. Il faut le dire, c'est-à-dire, ceux qui est bimis, d'ailleurs, ils ont raison, vous allez pour tout préparer vraiment terrain, point de presse, tout ça, machin, tout préparer, paix. Il y a paix, justement, il y a un concept, on a apporté, on l'a accepté, comme est-ce que la musique en haut, tout ça, on a un niveau à poteau, bien que comme il passe, mais tout gros, j'en ai plus de métier, on s'accroche. Quoi. Vraiment. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup d'encouragement. Donc, on a Luciana de Mingongo. Alors, on a vu ça d'ailleurs, ici, Kazali, Simolo, Serge, pour le concept, voilà, et on attend le 15. Hein.
Le 15 mars. Voilà, les 15 est comme, hein. Le 15, ça dit. Le 15 mars, c'est comme. Le 15, c'est le mot qui dit qu'il y a un au chaud. Ça dit que c'est parce qu'il y a d'ici là. Il y en a en même temps. Mais en Brazzaville d'abord, parce qu'il est du Congo. Merci. Alors, on reste à Brazzaville. Nangaï, Djal Kikita, Saint-Azola, Nangaï. Les Vérami depuis Kenya. Tanzanie plutôt. Merci beaucoup, Serge. Moi, salutations, Kara. Na Cécile Fekele, Papale, merci, Tina Bondi, JP Loboko. Donc, Gabens Toutunkelele, Venanga Mambo Massia, Général Gradakumbo, donc, on a salué, bon, il y a trop place Bazako. Merci beaucoup. Retour à Brazzaville pour vous proposer ce groupe qui a vu le jour il n'y a pas très longtemps, Les Cracks en images, parce qu'on va recevoir le groupe tout de suite après. Grand frère primaire, quoi. Bonsoir, on va faire tout. Tout l'équipe. Juste c'est le nom du groupe que tu as proposé. Non, alors les cracks, tout ça, bango sur le plateau. On est beaucoup moins simé. Indiwana, balango ba Kati Braza, ba yawa. Faut trouver ta masseur les cracks. Bonjour Théo. Théo Mbala qu'on ne présente pas, mais il faut tout préciser que Théo Mbala y a les cracks, c'est ça. Ouais, ouais, Théo Mbala les cracks. Alors comment ça va? Ouais, mais groupe, oui, s'il vous plaît, je t'en prie, oui, je t'en prie. Et ça, groupe, beau t'as mis si car le crack. Ouais, les cracks, c'est juste une faux. Les cracks, c'est juste info. Pour ouais. 5, c'est bon. Ouais, ouais. Les groupes, il y a entreprise, il y a société. Ouais, donc, responsable, là, ils a, moi aussi, maman Pierrette Asie. Donc, il y a la Rana Nord, la Rana Braza, donc, il y a une société. Mais ce que vous avez basé, c'est quoi? Biso. Groupe, il y a maman Pierrette Asie. Dans Brazzaville. Ouais, ouais. Dans Brazzaville. Na Evo qui va être ouest et tout ça. Très bien. Mais il y a une sortie pour ça qui est vraiment sortie officielle. Il y a un groupe Kaka. Ouais, il y a un groupe, c'est quoi tous les disques des Obima. Bon, ça soit disque. Ouais, tous les disques des Obima. Donc si c'est Sili, bah clip est Sili, disque des Obima. Kalatea, donc d'ici le 8 mars, disque des Adiana. Comment disque? Il est temps, tout est possible. Ouais, il est temps, tout est possible. Oui, Ndeko. Puis ça, c'est moi. Ma seul album, en vous salue, Anna. Bon, album, en vous, il n'y a aucun moyen d'en vous inviter pour nous saluer, salami, en vous bien. Très bien. Boulot, bien, salami, bien. Tout petit musique, n'y a pas de bêtama. Donc, tout ce qu'on a battu tout. Bah, il y a un bien, il y a un barabatou, il y a les cracks, tu es, bah, il y a un bâton, il est temps, comme album. Il est temps, tout est accompli. Est-ce qu'au but, tu es un bala? Groupe na Brazzaville, yo ya awa, bozande genini. Ba, au sens c'est ba nationalité belé. Biso tous en a trois nations. Oui, banani. Tous en a ba gabonais. OK. Tous en a ba congolais à Brazzaville. Tous en a ba congolais qui vous a recruté? C'est monsieur Aziz Dom de Marseille. Ah d'accord. Depuis Brazzaville. Tous en a bon na Gabon, de Franceville, toi ko quitter Brazzaville. OK. Tu préparer disque na biso, tout est possible. Donc déjà bientôt ba rozo yango. Donc, au Sénégal, on a un peu de temps, on a un peu de temps.
bah tu as il va y avoir après biso pe chance tu quitter Brazza tu es uniquement pour nous la émission mais bon il a sorti l'album ah tu dans Brazzaville donc sorti l'album projet ali tu as l'ango ah ouais parce que tu as bête sorti officiel dans maman Gebi dans maman Gebi ok maman Gebi je crois tu es bah les 10 ou 15 donc c'est Dominique Pierre Azim t'a recruté à qui dans Gabon à Brazza à Kinshasa t'es au Mbala donc ma sœur est là. Bon, comme vous avez un groupe d'entreprise, c'est-à-dire quoi? Donc, un groupe d'entreprise, c'est ça, entreprise juste info. Ils ont basé tout au niveau Brazzaville, bah, bien, ils ont. Ils sont à Maramni. Bon, ils ont une zone ébellée, une menuiserie. Mais c'est une RTNC à toi, l'orchestre Labisso. Eh bon. Au bon, groupe, entreprise, on appelle l'orchestre avant les cracks. Ils ont appelé les cracks. Ah, d'accord. L'orchestre avant les cracks. Ok, est-ce qu'on est pour ça l'album? Tout ça l'album. Les Obima. Mais ils ont entreprise, il y a moi, Simon, la moi. Eh, maman, Perrette, Asie, on a salé en Paris. Ok, d'accord. Alors, nous retenons que l'album Les Obima, il est temps. Combien de chansons vous avez dit? 9 chansons. 9 chansons. Nous sommes à Théomba. Vous savez, c'est quand vous est-ce que mon. Mon conseil est un chef d'orchestre. Chef d'orchestre, tendez tout ça. Chef d'orchestre, tu es à Brazzaville. Ah, on a un chef de répétition. Ok. Tu es un conseiller à l'orchestre Sebo Mbala. Et tu es un banamai tout. Tu es un danseur. Tu es un craqueuse. La craqueuse. La craqueuse de. De Juste Info. De Juste Info. Ouais. Avec Dominique Pierre Azi et Clarisse. Azi de Marseille. Azi de Marseille. Pierre Azi. Très bien. Alors, moi, je suis un peu de ça. Bon, il y a au bac César, pénalité, mais il y a au remercier maman dans mon salon, au salon pour la bisso, au salon. Donc, maman, Zamba Baxele, Bélé, dans mon kili, pour dans mon salon, au salon, bisso. Moi, je dis que maman et mère, les agars, au début, après, ils m'ont gelé. Mais bisso, pénal, maman, Bundi, à salon, ma casse, donc, et maman, Zélam, moko. Très bien. Donc, tu remercier Mingi, et pas à Zalin, Zamba Batelae, à Baxele, et à Zangi, pas si ça me salon, so bien. N'a pas si peu, merci. Théombala, suis là, tout suis là. Je remercie Kabanakin et puis je remercie Bami Ototigna na Brazza, Bonibas na Maître Waïza, Bangonde, bon, après na Steve Kabea. Na Kina, ils ont un bon apoto à Koyagimabe, Otis Kituka. Vous comprenez? Ok. Tous en a Tofla Kubingwa, tous en a Vena Bisso et Doval. Très bien. Donc, on a salué Pina Bango, bon séjour à Kinshasa. Bon séjour à Binopé et puis surtout bonne chance merci, à ce nouveau groupe qui vient d'entrer dans le royaume de groupe ici en RDC, Congo-Brazzaville et au Gabon. Beaucoup de soutien, beaucoup d'encouragement à Dominique Pierre Azi de Marseille et Azi et à Madame Pierrette Azi qui est l'initiatrice de ce groupe, le crack des Just Info. Où est ce dimanche, mesdames et messieurs, on va le retrouver encore une fois chez Carlos Complexe Monotemba, là où il s'est produit hier soir, c'était super. Il récidive cet après-midi spécialement pour les enfants. Où est si tout va bien, la Bralima va nous confirmer, nous le recevons pour vous dimanche prochain dans l'espace-temps de l'IDER, mais qu'on retrouve en image, où est en super forme, à travers ce clip de Satellite.
Werrason en super forme, le phénomène Werrason, hier au complexe Moine en Théba. Bonjour Ebois, Ebois, bonjour. Bonjour. Bonjour, Jemé Rose. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. Tu as rappelé un minute, hein, Jemé Rose? Tu es là, tu es là, tu es là. Tout à l'heure, on a aussi pour te comprendre bien. D'accord, le système à satellite, c'est ouais. D'accord. Ebois, abonné. Bien, ça va. Mais deux va. Fois de suite, samedi, dimanche. De production à Werrason au même endroit, pourquoi? Voilà, en tout cas, et ça parce que tout ça qui m'entend, moi, il y a vacances, tout va ça là, qui est dans le congé, parce qu'on a retourné, on a besoin de congé, et c'est là qui tout, on a sa bilingue à ville, tout ça qui s'abat, on a ambiance, on a bango, et on a tout bêti deux fois de suite, donc l'objet est là qui, on a mis bangé, de 20 ans jusqu'à papa qui zenga. Ils ont eu pour l'objet, et là, ils ont eu pour la bana. Toi, Bota, Neti, Massalanga, Fiston, Bota, Yana Bana, Babiso, Bota, Toyana Bana, Eza, Moutoua, Azana Bana, Naïb, Azana artiste, Nasse Pelaka, le phénomène, le leader est là, pour nous faire l'orthographe, photo, et au Bana, 15 heures, tout bandit déjà pour la Bana, lundi, aucune de classe. Donc, vraiment, na félicité, Batinus va répondre à une invitation, vraiment, en tout cas, et Sali, qui est au Beta Kala, vraiment, senti maintenant que place est à qui souhaiter. Vraiment, bah, des gars dans le banc, bah, il y a Jojo, Mandi qui n'a pas son bout de la musique. Vraiment, en tout cas, rien à ajouter. Bah, image, dans une semaine. Donc, si vous avez une édition, dans une semaine, déjà. Donc, se produit après une semaine, vous avez ok, ça c'est voilà. Bon. J'aime Rose Bonne. Les lots, c'est quoi, Babi, à Ban? Les lots, c'est quoi, Babi, à Ban? Les lots, c'est quoi, Babi, donc naebi ke lobi nenga ba image la kisi donc naebi ke ermo déjà na minute ba l'amour qui moi pose boya les sous mais maintenant avec des enfants donc le roi de la forêt azawana lobi pena ke bana ba papa ba mama boya na bana pe ba c'est pena ba mona leader na bango na ba star na bango ningi za la kaka donc ambiance pena exa des sous pena trop chou bongo il sera Jésus Jésus ko tous les amis pour les yeux donc to ndé tous ça to banda kala té to kata misala pour na satellite to banda to capter pas iba OK to capter bango déjà to yebi ba cible na bango pour pingi on azali donc to mon avant place ba batami donc rien à jeter to banda studio kala té ba to balinga ba yemba bango ba bwa ka bango donc kala té to banda quelques jours to zong la sous studio pour na Flèche et merci beaucoup, Ebois Lotin. Merci également à Jemé Rose. Je rappelle que le rendez-vous avec Werrason, c'est tout à l'heure, à partir de 15h, hein, des Bobby. Bana, moi, ma photo, na phénomène, si ma camarade, je suis des alagas. Merci vraiment, merci beaucoup. On a un mot et un peu si Yafofo continue à l'oubli. Yafofo. Je n'en ai pas pour le lumba petit, mais costaud. Bosco Sakata, double boss, Sayo Mumpa, et puis. J'aime pas la bambote. J'aime pas la bambote. Donc, vite fait, donc, la petite bambote pas fistoké, on a bien un minute, on a qu'à l'île, on a Ozola Nanga, Massananga Sergino Kadilou, Mbote Bele, double boss, Bosco Sakata, Yaro Djani.
Waba Mirando, Mbote, Robin Gele, donc la piste de Binotou, Mbote, Bissiga. Merci beaucoup au groupe de Erason Maison Mère. Merci, maman. Merci. La fête était totale. Robert Goff, c'est jour à tout le monde. Bon, 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 Toto Claudie Thomas, Biscotte Mbala, Roger Mbala, bonjour. Bonjour, mamie. Bonjour, Moussaka. Bonjour, mamie. Alors, on me fait savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de rendez-vous avec Jibim Piana, Moto Pamba. Alors, je te donne la parole. Oui, merci. Aujourd'hui, le boss nous a accordé un petit repos. On a travaillé dur, donc voilà. Si on est là aujourd'hui, c'est d'abord pour remercier infiniment les accros de la bonne musique des Papa Chéri qui étaient nombreux à Roméo Golf le 14. Il faut se le dire, il y avait plusieurs groupes qui prestaient à moins cher parce que Bin Adam a mis la barre très haut à $100 américains. Les images ont parlé d'elles-mêmes. Voir ce monde fou au rendez-vous, franchement, il ne peut que vous remercier. Quoi. Donc merci infiniment. Et les délégations venues de partout, de la France, j'ai vu Maître Dorothée Madia, mandataire à Mine et Carrière, des États-Unis, Ted Tendai, les pétroliers, et puis il y avait la présence de Cardozo Mwambarankena. On a subi la prostitution des billets verts avec Dozo Dozo, merci infiniment. Le plus grand absent, c'était Albert Mabella, l'homme présent. Donc merci, c'est une partie remise. Et demain déjà, nous continuons avec le studio, donc la lancement de l'album Balle de match. Au moment opportun, on passera pour fixer l'opinion par rapport à notre calendrier des prestations. Merci infiniment à Dieudonné Kassembo, le président de la PME, le patron des Gigi Palace et de la Gécotrans. Je n'oublie pas mon cousin, le commandant Moukoulou. Merci infiniment à Gisèle Pièce-Rare à Paris, le Kalamoto. Et puis à Tony Luamba, les receveurs. Je n'oublie pas Eddie Kilombo, le tout-puissant, la messe à Kilombo. Merci. Mère mamie, quand vous êtes là, on a un proverbe. Ceux qui ont une licence, ils ont une licence, ils ont une licence, ils ont une licence. Donc, trois personnes, pas battre 20 personnes, pas battre 100 $ malgré la conjoncture actuelle pour tenir coup. Faut la papa chéri, félicitations artistes. Aux arabina dama, babi diamant, t'as basi pour la photo, pour tes arabes diamant, faut la valeur. Non, y a ce paramédaille. Au moins, il y a que diarrhée à dollars et une en douleur. D'abord, on te paye moi les lourds et pas ma sabo pémal va parler quand on est à la ca. Pourquoi préférer à coup faire la montagne pour mon et bien béni, mais la maboua niaou à qui n'a pas la papa chéri, on a profité de notre ambassade à Willy Mouchen, code d'amour à 00243, tête tendelle et pétrole, il y a Clément Mbenga et les Bogas,
la bosse intérimaire m'a condamné. Donc, papa chéri, félicitations encore. Na boulot salaire qui peut connaître toujours au salaire. Bas des matchs, n'est toujours à terrain. Bon, c'est pas là. Pas de production avec JBM Piana ce dimanche, mesdames et messieurs. Mais par contre, le 22 février, il commence les festivités qui marquent les 90 ans d'existence de la Bralima. Ce sera au terrain, au parking de marché de la Liberté. Et nous signalons qu'à Paris, la maison Tassin est là, disponible pour vos différentes manifestations, anniversaires, mariages. Évidemment, maison Tassin, contactez sur Facebook, Roger Tassin est là à votre disposition. Un grand merci à Yafofo Kondji de Lumbashi où Zaïko s'y trouve malgré Jossard, parce qu'ils ont raté le vol de ce matin. Il devait se produire ce dimanche chez Lando Batibouka, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas pu attraper le vol. Ce n'est qu'une partie remise ici à Kinshasa. Mais hier, grâce à Aimé Gatalisi, Ogui Kiangala, Albert Mabela, il s'était produit à la maison Jules Ric, hein, que vous connaissez, à Lumbashi, Wantashi. Vous qui nous suivez depuis le salon Raphaël, vous savez où c'est. Merci beaucoup du soutien à cette émission. Nos félicitations à l'ambassadeur Elie Mbayo, un ambassadeur universel pour la paix. Et grand merci également à Dédé Moupassa. Je vais recevoir sur ce plateau un confrère. Il s'agit de Bob Ambongo. Bonjour Bob. Oui, bonjour, c'est un plaisir d'avoir sur ce plateau. Je te remets le micro. Oui, alors tu es là parce qu'on va parler d'un artiste que le Congo musical connaît, a découvert à travers Vive à la Musica, oui. Christian Lema. Oui, tout justement. D'abord, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. Ben, en tant que communicateur, donc, je viens pour présenter un produit qui se nomme Christian Lema, qui a eu à évoluer aux côtés de Papa Oyemba, tu l'as dit, donc à Bercy, à l'Olympia, au Zénith, à Élysée Montmartre, on l'a vu dans le concept acoustique. Ben, il a jugé bon aujourd'hui se refaire surface, et il refait surface grâce à JP Batiki et également à Jimmy Bofossin qui ont jugé bon de ne pas laisser tomber ce potentiel artistique. Et donc très prochainement, Christian Lema sera à Kinshasa au mois d'avril prochain. Et là, il nous prépare quelque chose déjà? Ouais, un single avec comme intitulé « Il est temps ». Il est parce temps. Qu'il était temps pour lui de prendre sa carrière en main. Okay. Et désormais, ben, il va s'afficher en tant que l'homme swagger, parce que c'est le concept actuel. Et du côté de Paris, ça bouge déjà. Et très prochainement, donc, il sera à Kin. Mais dans l'entretemps, il a préféré donc, livrer un clip promotionnel qui annonce tout justement donc, les couleurs de ce single « Il est temps » qui sera très prochainement disponible dans les bacs. Très disponible, très bientôt dans les bacs. Mais si on est adressé à Kinshasa, on va proposer un extrait, si tout va bien, de cette chanson « Il est temps » avec Christian Lema qui sera à Kinshasa dans pas trop longtemps. Et merci à... Non, là on est avec Dinastar Chang. Chercher à vouloir déstabiliser la RDC Congo, c'est déstabiliser l'Afrique toute entière et l'univers tout entier. De l'indépendance.
question à Janine et Hilaire à Paris de la part de Ibrahim Tsakal. Merci également à Bertil Mossessé, c'est à niveau-là, depuis Paris, Aubervilliers. Sans oublier Maman Sissi à Bondy, Mercette. Merci beaucoup pour l'attention et nous saluons également à Bruxelles, il y a Denis de Bambongo ainsi que Maman Luga. Merci, merci à vous tous pour le soutien. Mavata, Mavata, merci beaucoup Mavata. Je dis bonjour à Saïsaï, ouais, Fiston Saïsaï, ouais, qui est actuellement, comme il m'a dit à l'Isanga, artiste et nous. Oui, mutuel des artistes professionnels. Il y a théâtre, il y a République démocratique du Congo. Quoi. Donc, mutuellement, c'est Salemi. Oui. Il y a mon comité présent, on va prendre. Si, c'est bien mutuel. Donc, Caleb, président des Vos. Il y a un président de Bango. On a CPL pour la première rencontre entre Koutanaki. Tout ça, l'élection, ma mère, ça va bien. Non, non, non. Surtout, on a une élection, on a une élection, on a voté Bango. Or, il y a déjà tout bien, on fonctionne. Tu es un homme de bon cœur et puis né total à le président m'a mouvéné à mutuel yo bandana nous vraiment donc y a moi nous monnier sauf à vice président là à sa vice président à sa président puis bah Caleb Bazawana bah président de Vos bah Hans Luzolo bah José de Londres bah Irsil Péchanga bah tout président ça et ça voilà alors ce que mutuel en routine là. Ils ont un rapport. Association à Bartis. Tout le monde, tout le monde, moi, mon cœur, mon théâtre, l'ongwa, na moi, côté Batbatia, kaye quoi. Aux hommes, on a mon théâtre, les lois, comme à peine la place naie. Mon a les lois, le théâtre, la tout saline n'est ni bah, quand on imagine nos mots. Vous comprenez? Eh, bah tout dans tout le monde, l'image, voilà. Tout le monde, tout le monde, là que mon théâtre, attends, mon tout passe. Il faut gouvernement et entreprise. Tout ça la paie moi mutuelle là total tout ça quand même bateau tout le monde 10 francs 20 francs tout ça organisation là 10 20 voilà tout s'en sortir quoi il y a moi monte tout ça les mutuelles voilà première rencontre ça qui na une des trois na siège à Caleb tant que nommé ngai président pour nous longer la peine image voilà tout ça les deuxième rencontre na grand hôtel vraiment autour il y a piscine par contre mené bah obita masolo bazo mela moi baji bazo tomba eh tout tombe bien dans tout même tombe tout ça ouais ouais tout ça même on est voilà et puis ça marche bien c'est ça que Michel les autres tombent là na yo toi la siège là bon et c'est le que ça la musique hein OK et maintenant il faut que le bar vérité toujours chasiko makambu na misa quoi. Bon, débattre avec des gens qui loin d'avoir, il faut mutualiser, bah, attendez. Non, mutualiser, c'est que je communique au côté na ba vie à battre. Ok. Bicho zaka wana pour na concentrer d'année entre biso quoi. Donc dès que nous, n'a pas na zaki na ni na loin d'avoir. Mais curieux. Na délégation. Ouais, 18. Tous zaki 18. Ozongi avant, toi aussi ozongi. Non, toi, bah master batikal bazo continuer. D'ailleurs, bah betagi lobby, nga na zongi pour na ko bah contrat mususu. Na sipat bah monen nga na tamula lobby, il faut quand même hein. Tala na senga ki permission pa producteur nanga atali pe moi équilibre ya contrat mo faraki na zonga rapide ya ngom moni a permettre nga Virgile Bavon merci encore donc na zonga ki si tout va bien avec Gabin Manes Mbundu tout ça la rendre ngenza la kana région de Bangou lisusu donc ba o kende lubangu et puis
Louis Gibson Boutou Kondolo, cardinal, qui est en pleine préparation de son concert Diagnostic. Diagnostic, c'est le tout premier album de la carrière des Gibson, carrière en solo qu'il a sorti. Il se prépare à offrir aux mélomanes la première sortie officielle de son album Diagnostic. C'est pourquoi il est en pleine préparation chez lui et à ma compagne. Grand Yaya, Maître Paille, il annonce lui aussi qu'il est en plein tournage des clips de son album. Pas plus de commentaires, on le saura dans pas très longtemps comment il va finaliser. Mais son Excellence, Madame la ministre du Genre, Geneviève Inagosi-Kasongo, a accordé une audience aux journalistes et chroniqueurs de la musique. Ceci est... Eux, ils étaient venus s'informer auprès des madames pour avoir plus d'éléments en rapport avec la journée internationale de la femme le 8 mars, qui intervient le 8 mars de chaque année. Et cette année, il y a une spécificité, il n'y a pas de défilé, pas de pagne officielle à l'effigie de 8 mars. Et tout cela a nécessité que les journalistes chroniqueurs puissent faire la démarche auprès de madame la ministre du Genre, Inagosi-Kasongo, qui s'est empressée de donner les grandes lignes de cet événement du 8 mars, comment cela va se passer. Elle a remercié les journalistes chroniqueurs de cette initiative de venir à la source s'informer. Le 8 mars sera célébré ici à Kinshasa, mais pas de défilé, pas de port de pagne officiel. Le gouvernement n'a pas imprimé de pagne officielle. Madame Geneviève a demandé à ce que le budget très souvent alloué à l'achat des pagnes dans les différentes entreprises à travers le pays puisse être orienté vers des séminaires de formation, des conférences pour aider la femme à se promouvoir là où elle est, dans les entreprises, et pourquoi pas aider les femmes à se prendre en charge. La jeune fille qu'on oublie chaque fois à porter le pagne le 8 mars doit plutôt chercher à connaître le sens du 8 mars, de cette journée de la femme qui lui est dédiée, et non en faire une affaire spécialement basée sur le pagne. Évidemment, on va revenir là-dessus dans nos prochaines émissions. Ça, c'est aussi ça. Ok, bah, fanatique, nous avons rediffusé, bah, bah, déjà samedi, on va aller au Wasika. Pour terminer, na pesi mbote quand même na bato ba soutenir sur le niveau Angola. Mon frère, vraiment mon ami personnel, Simone Teka Alava, Ige bango tuana, donc Simone Teka Alava, na kin na pesi mbote na tour du monde, ya Willy Musheni, Kodamboka et puis na vienanga King Makiadi, puis na batutu ba olanda biso ba vienanga Lembia, na moni pe ya Koko et puis na artiste comédien yonso, unité bomoko bolingo tozala nango pour to tombola musa na biso. Merci beaucoup Saïsaï. The best of the best, c'est le nouveau concept de Vodacom qui commence ce dimanche ici au studio Maman Ngebi de RTNC. C'est une télé-réalité à la recherche du meilleur talent musical parmi les meilleurs dont regorge la RDC. Bon dimanche à Belou Louvois du Hakuna Matata depuis Paris que nous suit Aïssé Chature, Nokoabana, merci beaucoup. Et toute notre sympathie à Asie Asiatique, qui a perdu son père, Moussengi Zoubou Papa Koko, qui a été conduit en sa dernière demeure au nécropole. Yasselika a fait les déplacements pour le funérailles à Kinshasa. En tout cas, on est ensemble, Asie Asiatique. Alors, rapidement, je vais dire bonjour aux amis du groupe de Barbara Kanam. La diva Barbara Kanam, qui est à Kinshasa, qui s'est produit le 14 février dans le théâtre du fleuve, c'est ça? Et bien, ici, nous sommes à Massola, de Best of the West, et à Vodacom, à peine à ma membre, parmi les membres du jury. Si, si. On est à l'endroit où on a eu mon calamité, on a eu pour éclaircir ma campagne bien. Mais, nous avons eu un programme de l'Abisso, dans le mois de mars, nous avons eu un Brazzaville, et puis le 8, nous avons eu Lubumbashi, et le 14, nous avons eu Angola, donc, dans tout Angola, dans l'Atlantique, il y a Diva, et nous avons eu un canal musique. Groupe Barbara comme on canne musique, c'est-à-dire que groupe voilà tu lis pas de bas mais ça n'a comme voilà parce que tout ça m'arrange bien donc tu es bien que bon on a ce cala la maca c'est-à-dire qu'il va danser bien et puis dans une chose tout ça déjà maman a déjà un studio parce que préparons blouse bien et puis imaginez qu'il y a bien va danser bien donc après caribou et là on se souvient voilà et puis tout ça il est fort au mini dans ça bah dans ces allées par rapport à de la mine qui est bah une santé qui est tellement trop tout est à danse bon on peut bien en contact et bien on danse du président danse dissidentaire. Donc ça danse mobo et ça pour notable quoi donc bateau bah d'ingi kimia bah bien on tranquillement donc ça va mouvement mingité donc bon c'est la communauté bon on a n'engagement car Barbara face à vraiment Robin il a sous la mine sur donc ça grave quoi donc bah Francis Naye bon ça la calme on a ça maman abisso à congolaise aza mama o penda aza a fierté na Congo na ba passe bilé toto obeta na ba Sénégal partout dans le monde quoi donc merci beaucoup ngai pa ba rigonde ke ba tu ba tele sobra matete ba na lemba
chorégraphe la bino o ya bin sa bino bané na bané na bané na bané. Donc il grand merci vraiment. On va se séparer. Ouais, voilà, il va être organisé la 5e édition de Miss Mama Kilo sous le patronage de madame Antoinette Sassou Nguessou, Denis Nguessou évidemment présente cet événement, 5e édition, Maman Akilo entre les capitales les plus rapprochées du monde. Ce sera le 22 mars à l'hôtel Kedjer, ce sera à Brazzaville. Pour plus d'infos, contactez M. Coco Rubenga. Mais entre-temps, Marius Munga, Nathilo Kole, Hélène Kalema sont donc priés d'entrer en contact avec Coco Rubenga pour plus de détails. Exotique Bemaki chez Tantine Bébé à Loni Torigny, merci beaucoup. On nous annonce que nous sommes à la fin de l'émission. Donc le nouvel déféré, il s'est produit hier au stade du football africain. Félix Ozeko n'a pas pu se produire hier à Bangui parce qu'il y a eu la pluie. Par contre, Fally Ipupa s'est produit hier au Grand Hôtel Kinshasa. Merci à vous tous qui nous avez suivis en ce dimanche. C'est la fin. Nous allons passer l'antenne à notre ami Fumbaba qui se trouve actuellement au Stade des Martyrs où va se jouer très bientôt le match Vita Imana. Et avec nous. Transmission dans le monde entier, le cola va diffuser comme après la yapre c'est Charles. Mais sans moi, Jimmy, Fofosa, Namo, Kappa, Kawaroma. Vatican décidé, célébration remise à trophée, mais un bénin s'est Saint Angelo, Jimmy, Fofosa, Papa, na Giovanna. Est-ce que vous avez vu que vous avez la caillou et trop? Cela vous insécurise et vous expose à la mort. Propriétaire des véhicules de transport en commun, les versements journaliers trop élevés exigés à vos chauffeurs détruisent votre propre véhicule et met en danger des vies humaines. Camarades étudiants, cessez de vous balancer sur les carrosseries des véhicules de transport. Cela vous expose à la mort. Piétons, attention à la traversée de la route. Roulage. Votre rôle dans la régulation routière est très capital. Message du ministère des Transports et Voies de Communication. Chez Orange, nous savons que vous communiquez tous de façon différente. C'est pourquoi nous avons créé les offres bienvenues, adaptées à vos besoins. Par exemple,
l'Alcatel OT217 avec 30 minutes de communication et 25 SMS offerts par mois pendant 6 mois et à seulement 17 000 francs congolais. Communiquer change avec Orange, la vie change avec Orange.